tout le monde, c'est Fanta pour une vidéo. Donc, je vais vous représenter mon petit poteau Werman en Salida versus un petit Sacrieur. Je suis désolé, j'active juste les métiers et après je suis à vous. Parce que je colle perso de ma guildeuse pour essayer de lui faire un petit peu de camas grâce au métier. Je me rends à l'atelier Brico et puis je vous mets le colis. Je suis désolé pour ce petit laps de temps, mais vous inquiétez pas. C'est le T1, donc y a rien de bien dramatique. Tac tac, atelier des bricoleurs, et puis après, je suis à vous, les gars. Du coup, Werman, double arbre T1 avec une gonflable, donc logique. Il est versus un petit sacrieur R qui a quand même de belles résistances, on va dire. Qui a un ivoire, un petit classique. Je trouve les dégâts du sacri au jour d'aujourd'hui un petit peu trop abusés. Quand on voit que les furies passent à moins 700 sur 41%, donc je trouve ça assez ouf. Et là, on va tomber sur un sacrieur qui va jouer en folie négatif. Donc, ça, c'est les pierres. Certes, ils n'ont pas de lourds dégâts, etc. Mais ils ont quand même beaucoup trop de tanking. Déjà qu'il a 5000 vita. Donc, avec la folie négative, il va quasiment monter à 6000. Tout en mettant quand même des patates à moins 800. Avec l'ivoire, donc moins 850, pardon. Parce qu'il y a l'ivoire par tour. Tout en se régénant du 550 environ. Ce qui est assez stylé, mais bon, on verra ce que ça donne. L'avantage du bouclier Elisael qu'a le monsieur, c'est que ça donne quand même des esquives PM et versus 110, c'est pas dégueu. Si vous êtes une autre classe, enfin peu importe, que vous jouez contre un Sadis, je vous conseille d'avoir au minimum 65 esquives PM pour éviter de trop vous faire râle par la surpuis. Mais bon, c'est qu'un avis, après je suis pas non plus l'expert en la matière. Je profite de cette vidéo pour vous faire part de mes futurs achats. Donc, je vais acheter la panneau des mille et une griffes. Donc, si vous connaissez des vendeurs, etc., j'achète la coiffe, la cape. Et également, un petit bouclier d'Hispanique, le classique, pas le doré. Parce que le doré, je le trouve moche. N'hésitez pas, si vous connaissez un vendeur, je suis vraiment preneur. Mais pas des prix non plus déraisonnables. Hein. Je connais les prix plus ou moins d'Interserver. Voilà. Petit Barman, il continue son petit taf. Il met des armes. Je pense. Vu son plan de jeu et vu son mode, vu que Warman va jouer R, son objectif ça va être de spam des armes le plus possible. Et ensuite de faire des grosses secousses. Enfin, c'est ce que je ferais si j'étais à sa place. Ouais, je pense que c'est ce que je ferais. Donc on peut voir que le sacré est repassé en folie positive. Il s'est déjà mis 150 puissance. Est-ce que c'est cumulable cette connerie? Évidemment, sinon ça serait pas suffisamment pété. En cop. Il passe en folie 3, donc il y a déjà 10% de dommages finaux en plus. Il rox pas beaucoup ce sacrieur, hein. C'est relatif parce qu'il y a quand même 35% de résistance. Ça, je viens de reprendre, j'aurais aimé savoir si le prix d'un ocre sans offre en or. Coucou. Bah, j'essaye de répondre au plus possible aux MP qu'on reçoit parce que trop de gens sur Dofus ignorent les MP alors que si une personne pose une question, c'est pas forcément ridicule comme question. Bref. On peut voir la petite secousse qui fait vraiment plaisir. À moins combien c'est passé cette connerie, je sais pas, mais ça fait mal. Ça fait très mal. La gonflable va continuer le travail de régène, donc c'est cool. Merci à toi, je reprends après 2 ans d'arrêt. L'économie a énormément changé. Est-ce que je dis c'est vrai que 20 millions maintenant c'est égal à 60e à l'époque environ, 60e pardon. T'as rappelé à l'époque t'achetais le voile d'encre à 20 millions, maintenant c'est à 7 millions, t'achetais le ocre à 60 millions, maintenant c'est 20 millions, enfin 25 millions, t'achetais un ébu à 45, maintenant c'est à 22, enfin c'est n'importe quoi, c'est d'eau fou hein, ça change. Ouais j'avoue, j'avais connu cette époque aussi aux ocres à 110e. Bref, on revient dans le combat. On peut voir que le sacré a mis l'état insoignable. Je trouve ça vraiment puissant quand même de pouvoir foutre l'état insoignable tous les deux tours. Tout en mettant en plus des malus en rocks, donc je trouve ça vraiment vraiment fort. Après à savoir c'est que c'est pas dérangeant non plus, étant donné que il s'en fout, il va. Attends, je vais faire mes décès. Ah oui, maintenant on peut plus drop les tutus mon gars. C'est pas parce que là le sacré joue de manière assez bizarre. Son objectif c'est juste de mettre des dégâts bruts. Et je pense qu'en dégâts bruts au final tu risques d'y perdre mon petit sacré. Que là certes tu mets des grosses patates, mais là il va mettre une deuxième gonflable. Il est à côté d'un arbre. Il va mettre un autre arbre pour se soigner ici. Il va rapprocher l'arbre, au final tu risques de prendre cher. Donc là il va passer en harmonie. Logiquement. Passe en harmonie, me fait pas mytho. Bah c'est perdu.
Je pense que Varman a perdu, sauf si la folle. Non, mais même la folle peut rien faire. Ouais, je pense que c'est perdu. C'est plutôt moi le jeu de la part de Monty Wernman, parce qu'il sous-estime en fait le Rox du Sacré-Cœur là, vraiment. Putain, en plus il joue qu'avec 14% neutre. Oh là là. Là, il va manger une hostilité, une furie, une punition, et je pense que ça passe, hein. La pupu, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tant mieux, mais je pense que furie, pupu, ça passait. 100%. Je pense que même avec sa faible. Avec 62%, la pupu, elle tapait les 650 à faire sur 14%. Je suis quasiment sûr de moi. Moi, tant mieux, parce que moi, je suis pour mon poteau, mais. Là, il va remanger une secousse, parce que le secousse, c'est à le tour. Rip à toi, t'as pas de luck, mon pote. La secousse, ça fait vraiment le taf, hein. C'est vraiment appréciable. Je pensais pas que ça serait aussi worse. Je me demande, donc ça, c'est une interrogation que j'ai. Jouer en racine floribonde, est-ce que ça serait pas mal? Genre, ouais, j'avoue que c'est plutôt sympa. Mais moi, si je fais un mode R comme ça, t'imagines, tu tombes sur un sacré qui met des Résifix R, t'es baisé un petit peu, je pense. À voir. Là, du coup, la régène, elle va faire vraiment plaisir. Il va se manger du 700 de régène quasiment. Plus l'autre arbre là qui va arriver. Il va mettre, tu sais comment ça s'appelle l'arbre là. Mais tu vois ce que je veux dire? L'arbre. Ouais, il va le faire. Voilà, tu vois si. Putain, j'avais oublié le blaze. Du coup, attendez, je vais vous mettre sur pause. Je vais vous montrer la teuté que je veux faire sur mon Sadida. Vous allez me dire si vous trouvez ça good ou pas good du tout. On peut voir, je pense que le combat là, il est totalement plié. Le sacré a vraiment fait une erreur de venir s'enfermer ici. Ouais, il a vraiment fait une belle erreur. Donc là, franchement, il peut encore gagner si jamais il se met à tryhard. Auquel cas, s'il commence à transpo pour essayer de tryhard, je vais vous mettre sur pause et vous reprendre après quand le combat deviendra un peu plus intéressant. Parce que là, il n'y a aucun intérêt de vous filmer un tryharder. Ouais, c'est bon, il a abandonné, on va dire. Ça fait plaisir, ça sert à rien parce que là, tu es trop en retard en fait. T'as pas mis assez de Rex, il serait mort tôt ou tard. Du coup, le tremblement. Fais pas le kill libé. Fais pas le kill libé, mec. Fais le. Non, vas-y, fais-le. Il va le faire. 100%. Kill libé ou pas? Kill ou pas kill? Ah, le gamin. Ouais, donc, Wardman, mon petit poteau. Je vous reprends après pour un autre combat. Je vais vous en filmer deux ce coup-ci. Et attendez, je vous montre juste le skin que je vais avoir. Ne bougez pas. Re, donc, du coup, le skin finaux, ça sera celui-ci avec un costume de sa chien, là. Tu sais, le costume celui-ci. Avec ça. Oh putain, on va lui ranger, gamin. Avec le costume comme ça, là, tu sais, celui-ci. Il est pas mal, hein. Et je pense que du coup, ça peut vraiment s'accorder et que je serais plutôt beau gosse. En plus, ce skin, il est pas excessif. Il doit coûter dans les 300 millions, 320 peut-être. 340 au maximum. Et du coup, la queue, elle est magnifique. La couronne, mais parce que je suis un petit peu en roi, donc voilà. Et le boubouis pas, on retrouve en fait la plume ici sur le boubou rouge. Et le N sur le doré, comme ça. Et le noir du chouchou avec le rouge. Enfin, je pense que ça s'accorderait pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, je vous reprends dès que le Wehrman relance un petit combat. C'est pas déjà fait. Mais si, c'est déjà fait. Contre un autre sacré, mais ça sera deux sacrés R. Voilà. Après, comme je dis, pouce bleu si vous aimez bien. Arrêtez les pouces rouges pour troller, parce que franchement, c'était rigolo au début. Mais au moins, je vois si vous aimez vraiment les vidéos, si vous aimez pas, ou si vous m'aimez pas, tout simplement. Mais soyez un petit peu honnête, parce que bon, sinon, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Hop, va-t-il jouer R encore? Ouais, il rejoue son mode R, c'est plutôt pas mal au final, parce que ça a marché un coup, pourquoi pas deux? Pourquoi pas deux? Le sacré à l'initiative ce coup-ci, tandis que tout à l'heure c'était Wardman qui avait l'initiative. Est-ce que ça va changer grand-chose ou pas? Je sais pas. C'est quoi son stuff? Je dirais soit feu à nautique, je pense. Je pense que c'est mode feu.
Franchement, je pense que c'est mode feu. Logiquement, vu les résis, c'est un mode feu. Ça peut pas en être autrement. Veille en vert. C'est pour ça que je suis pas fan du mode air, parce qu'en fait, pour moi, un Sadida, ça a tellement de sortes de multi-éléments que je préfère peut-être perdre en rogue sur une ligne, mais être vraiment polyvalent sur plusieurs lignes. Je sais pas si tu comprends ma logique ou pas, mais en gros, pourquoi me faire chier à taper genre du 250? Ah non, il est haut. Ah putain. Et je lui dis à Ben en haut, mais je pense qu'il avait remarqué quand même. Une fois qu'il a tapé haut, c'est pas dur de dire ah, mais il est haut. Quel débile. Du coup, il va mettre une surpuissante, je pense. Et en fait, le but du jeu de Warman, ça va être de spammer le plus possible les armes, de faire durer un maximum. Est-ce qu'il y a un nébuleux? Ça aussi, ça a surveillé qu'il n'y ait pas de nébuleux. Qu'il n'y ait pas de nébuleux. C'est vraiment important. Ah, je vois. En fait, c'est pas con. Je sais pas si vous voyez la technique de Warman. Putain, je fais que modifier son pseudo. Hein. À chaque fois que je le dis d'une manière différente. C'est en gros, c'est de faire venir le Sacrieur. Le Sacrieur, en gros, autour des armes pour me caler instantanément des gros tremblements. Et ça marche. Je sais pas si c'est ce que je veux dire, mais ça marche en fait la strat. Parce que le mec, il va directement se mettre. Oh putain, mais ça tape en ligne cette connerie là. Ouah, relou, relou, relou. Ouais, il tue l'arbre, c'est bien joué d'avoir fait un assaut pour vraiment kill l'arbre. Plutôt cool. Tac-tac. Je vais lui dire, désolé, je vais lui conseiller, même s'il a pas besoin de mes conseils, mais c'est plus facile en fait. Il y en a qui reprochent le fait que je joue pas et que je commente les combats. Mais je trouve que t'as plus d'intérêt à commenter qu'à jouer parce qu'en commentant sans jouer, t'es plus attentif et tu vois plus de choses que le joueur en lui-même. Ce n'est que mon humble avis. Charge. Et sacrifier quand tu peux. C'est pour ça que je suis pas fan du mode R, putain. Parce que les armes, en fait, ça fait des zones. Je vais dire. Son sort de zone égale zone bâton. Je sais pas s'il a remarqué, mais tu vois, c'est des petits trucs qui peuvent faire la diff sur vraiment le très long terme. Ça va être une vidéo assez longue parce qu'il commence à avoir du mal à placer son jeu. Mettre un coup de cac pour finir le chauffeur fou, non même pas. Sacrifier, non, rempotage, ok. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est bien joué, mon gars. Donc, il va être en 12 PA vu que ça va proquer le abyssal. Du coup, je pense qu'il va transpercer, enfin, transposer son chauffeur fou. Ce serait plus logique, au moins, il est pas emmerdé par la bloqueuse. C'est ce que je ferais si j'étais à sa place. Donc là, pour moi, il vient de faire une erreur. Dans sa logique, j'espère qu'il va moins tuer la surpuissante. Sinon, c'est vraiment une erreur s'il vient de faire le Sacrieur. Et je vais me justifier après, mais c'est que la bloqueuse, en fait, va venir se détacler. En fait, s'il aurait mis le Chaffer à côté de la bloqueuse, le Chaffer n'aurait pas fait chier. Ça peut sembler anodin, mais sur le long terme, une bloqueuse, c'est assez relou. Il a été obligé de caler une transpo. Pour arriver au CAC, donc tu vois, ça fait quand même c'est assez relou. Il va mettre un arbre au loin, non, juste à côté, ok, why not? Donc là, il se retrouve avec les PM de la surpuis de la gonflable, c'est plutôt worse, c'est vraiment pas mal du tout. Vous voyez la bloqueuse. Voilà, revient le plus possible, tandis que le chaffer à côté, elle serait resté à côté du chaffer. Bon, là, il va déferlement et. Enfin, pas déferlement. Projection. Oh non, il préfère fulgurance alors qu'il est R. Curieux. Mais en fait, il va faire que ça, il va faire que taper. Et notre ami Warman, il va essayer de le bloquer avec les armes, et au final, il va essayer de gagner à la longue comme ça. Et je pense que ça va passer, franchement, je le dis direct. Je pense que Warman va passer. Enfin, son style de jeu va passer. Il va mettre un arbre ici, il va aller l'évo, il va secousse. Ou encore mieux, il va mettre un arbre derrière lui plutôt.
Oh là là, il rempote un petit arbre. Oh non, 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 frérot, tu peux pas me faire ça, je croyais en toi, je croyais que t'étais un bon joueur. Ah, j'ai cru que t'étais fort, mec. Non, non, ah, tu m'as déçu. Quel enculé. Attendez, on va le troller un petit peu, je sais pas ce que vous en pensez. Bravo, petit arbre. Rempotage. Machine. Donc du coup, ouais, je vais faire un Sadidao au cas où je vous l'ai pas dit. Je vous ai montré le skin, mais il y en a qui auraient peut-être pas remarqué. Donc du coup, je suis le futur top 1 Sadida. Et j'ai préparé des mods. Mais genre, tu vois, retour vers le futur, il y avait des trucs du futur, mais moi ça va être encore pire. Et si vous avez des idées, des Dofus Planner à proposer pour un Sadida, sachant que je suis un mec qui veut vraiment le plus de stuff possible, genre j'ai déjà mes stuff anti-hop, etc. Il me faudrait des mods haut. Vraiment mode haut avec du gros rocks, avec l'initiative, avec des résistances haut aussi. Je vous expliquerai pourquoi. Et un mode multi-éléments avec minimum 7 invoques. Allez, ouais, 7 invoques. Non, 6 invoques. Donc retenez, celui-là qui arrive à faire ce mode, c'est vraiment un ouf. Ça serait trop cool. Avec des résistances. Avec neutre, air, eau, feu. Air, 40%, neutre, 35%. Et le reste, 30%, ça suffit avec des boucliers résistance CAC, avec un marteau des égarés et un mode multi-élément. Avec 6 invoques. Et 4500 vita minimum. Si vous arrivez à me faire ce mode, n'hésitez pas à me contacter en jeu, slash W Flansazit. Vous voyez mon pseudo, il est écrit ici. Ou ici, je vais vous le réécrire. Il faut mettre une pause. N'hésitez pas à me demander le mode que je veux, etc. Et je vous dirai vraiment le mode en question que j'ai vraiment envie. Et si vous arrivez à me le faire, franchement, vous m'enlèverez une épine du pied et ça me permettrait de vraiment lancer mon Sadida. Donc n'hésitez pas, franchement, je suis là pour écouter les conseils, les propositions de stuff, tout ça, parce que ça peut vraiment m'aider beaucoup, 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 beaucoup. Donc on peut voir que le jeu commence à vraiment se poser du côté de notre ami Weirdman. Je serai le sacré, je transpose l'arbre ici, je prends la zone pour justement taper 3 arbres, enfin. Tuer deux armes plus le taper à lui. Est-ce qu'il va le faire ou pas, je ne sais pas. Logiquement, tu vois, tu assauts ici, bim, tu fais double truc, tu tues deux armes et tu tapes Merman. Fais le mec. Oh là là. Non, tu m'expliques. Explique-moi, frère. Explique-moi ta logique. Explique-moi. J'ai pas compris. Je ne comprends pas. Donc en fait il se met là pour être encore plus dans la zone des arbres. C'est totalement débile. Ouais, c'est totalement débile. Ah frérot, il a secousse, donc il fait l'harmonie. Parce que là, il peut mourir. Aïe aïe aïe. Je pense pas que ça passe. Non, 2006, il les fera pas, gros. Il les fera pas. Je pense pas qu'il les fasse. 11 PA, il doit virer d'ivoire. Il reste 9 PA. Non, ça passera pas. Donc là, il va kill l'arbre. Ok, why not? Ah, il est rincé ce sacré. Hein. Je suis pas là pour critiquer gratuitement, mais vraiment, il joue vraiment comme. Comme une merde. Et je dis pas ça méchamment gratuitement, tu me connais en plus. Je suis pas le mec qui va vraiment critiquer pour faire chier mon monde, mais quand ça joue si mal, ça joue si mal, quoi. Aïe aïe aïe. Blé! Allez, casse-toi de là. Allez, décale, décale, frérot, décale. Prends-toi le soin masse de ta gonflable. Voilà, monster soin. Voilà, là c'est gagné là. Parce que le sacré. Oh là là, 1400 de soins, c'est mangé une reconce. Il est pas chaud, mon petit pote, il est pas chaud. Oh là là. Ah, il m'a déterre là. Il m'a dit nul, je vais essayer de jouer R, voir si ça passe. Moi j'ai fait gros R, c'est de la grosse merde.
T'es en train de me montrer le contraire là. Après le sacré, il est quand même chême, hein, mais il va faire le sort R pour enfin le sort pacte de sang, je sais pas quoi là. Sauf qu'il est mort, frère. T'as pas con... enfin il a pas compris qu'il était mort. Il est mort. Il est MORT, frère. Parce que même si tu meurs pas, il y a juste Harmonie. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mais j'aime pas, il me fait peur, je te jure. Utilise Harmonie, poteau. C'est trop fort comme ça. Allez, la folle va kicker 2 PA, j'annonce. Je suis devin, mon gars. Je suis devin. Théma le moins 2. Ok. Non mais ok, c'est bien. J'avais tort, mon gars, j'avais tort. Bref, si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes si t'es pas déjà fait. Si on arrive aux 1000 abonnés, franchement, ça me ferait très plaisir. C'est l'objectif que je m'étais fixé quand j'ai commencé YouTube. Du coup, bah, n'hésite pas si c'est pas fait. Franchement, pour toi, ça représente rien et pour moi, ça représente beaucoup. Si t'as envie de me faire plaisir, bah, fais-le. Ça serait super sympa de ta part, mon gars. Et ça motiverait à vous faire vraiment plus de vidéos. Vraiment, mais en masse. Faire des vidéos en masse. Là, il va rempotage ici. Il va arbre, larmes, tremblement, à plus. Enfin, secousse et à plus. Ouais, je suis devin, mon gars. Je suis devin. Allez, ciao, ciao. Franchement, une vraie throname Amazonie. Ah, les gars, oh, écoutez, à 15 pouces bleus, j'essaie de le convaincre. 15 pouces bleus, c'est pas beaucoup. On essaye de le convaincre de s'appeler Amazonie, mec. Ok? Ou alors on lui dit de s'appeler Groot. Tu sais, je s'appelle Groot. Ce qu'ont vu les gardiens de la galaxie comprendront. Allez, ciao les gars. C'était Flansouille. A plus.